Le fond pour Sochaux, bien sûr, qui est en jaune. Bastia est en bleu. Et Stéphane Ziani dans tous les bons coups. Hier soir, c'est lui qui tire. Cassard a laissé passer le ballon et Casanova a repris 1-0 après 26 minutes. Le tir de l'ex-meneur de jeu du Football Club de Nantes. Et le but de Casanova. 1-0, puis 2-0 lorsque Drobniak inscrit ce but en deuxième période. Antène Drobniak, 26 ans, qui vient de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il est monténégrin et c'est le meilleur buteur de Bastia avec 8 buts. 2-0 pour Bastia à ce moment du match. 81e minute, Hernandez à gauche en direction de Vos. Et Sochaux réduit le score de 2-1, ce ne sera pas le score final. Puisqu'il y aura un dernier but dans cette rencontre, précisément à la 90e minute. Et toujours à l'origine de ce but, Ziani. Une faute dans la surface de réparation de Clément sur Ziani. Et Drobniak se charge de la transformation. Le voilà, le 8e but de Drobniak de la saison. Bastia l'emporte encore à l'extérieur.